Président, je reviens sur le deuxième point de ma plaidoirie, sur la fameuse question de la requalification. Je vous ai dit, Monsieur le Président, je vais vous épargner de beaucoup de choses. Je vais vous épargner de beaucoup de choses qui ont déjà été dites ici. Et Monsieur le Président, j'ai eu à me prononcer là-dessus, sur l'opportunité de requalifier les faits. Le ministère public et certaines parties civiles, pour reprendre le doyen Paul Yomba, ne voyant plus de recettes dans leur accusation pour étayer les faits pour lesquels, ou craignant que certains accusés les échappent, a décidé de vous demander de requalifier les faits en crime contre l'humanité ou en responsabilité de commandement. Parce qu'on sait que même celui qui n'a jamais fait droit sait qu'aucune preuve n'a été présentée à cette barre. Personne. On a ramassé les gens un peu partout. Monsieur le Président, la demande de requalification du ministère public se heurte à plusieurs obstacles. Il y a des obstacles qui sont légaux et il y a des obstacles qui sont tirés de la jurisprudence. Monsieur le Président, les obstacles légaux, je ne vais pas trop m'attarder sur l'autorité de la chose jugée. Nous en avons discuté longuement pour dire que personne ne dénie à une juridiction. Personne ne dénie à une juridiction le droit de restituer aux faits leur véritable qualification. Personne. On vous a posé un problème et le juge est la bouche de la loi. Le juge doit dire le droit. Vous devez donner un sens à tout. On vous a dit que la question de la requalification a été posée au niveau des juges d'instruction, puis au niveau de la Cour d'appel, mais également à la Cour suprême. La Cour suprême, son rôle, c'est d'assurer l'unité dans l'interprétation de la règle de droit par les juridictions de fond. Ça dit que elle est juge de droit, elle ne juge pas les faits. Donc elle doit assurer une unité d'interprétation. La Cour suprême s'est prononcée sur la question, Monsieur le Président, honorable assesseur, pour dire que, en réalité, que les gens poursuivent, les partis civils ont demandé à ce qu'on applique, ils considèrent que l'article 194 du Code pénal a été violé. Dans tous les cas, la Cour suprême a estimé que ce n'était pas le bon texte. Pour résumer, Monsieur le Président, il y a eu une décision qui a été rendue dans ce sens-là et qui a réglé la question de la qualification. Je l'ai dit, que lorsqu'un juge rend une décision sur le fond, cette décision acquiert l'autorité de la chose jugée. L'exception, bien sûr, Monsieur le Président, des ordonnances de référé. De référé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mais je vais juste m'interroger sur l'intérêt de la question de la requalification par le ministère public. Pour ça, Monsieur le Président, il y a des impératifs, des questions qu'il faut répondre. Est-ce qu'il est permis de requalifier les faits à n'importe quel stade de la procédure selon qu'il s'agit de certains accusés? Parce que la vérité, c'est ça. Puisqu'on n'a rien contre Dadis, il faut requalifier pour l'atteindre. Mais ça ne marchera pas. La réponse est non, Monsieur le Président. Deuxièmement, certains accusés ont-ils moins de droits que d'autres? La réponse est non.
dans le sens d'un procès juste et équitable. Non. Et c'est réglé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Troisième chose, est-ce que l'ampleur des faits jugés permet-elle la déconstruction des principes de droit suivant les profils des accusés? Je sais que la réponse est non. Alors, on peut tirer la conséquence que votre juridiction ne fera pas la promotion de la violation des textes ou des principes de droit. Je ne souhaite pas que vous ayez le prix Nobel de la promotion de l'insécurité juridique. Il y a un confrère qui a tenté ici de distinguer à la chambre pénale de la Cour suprême selon que la cette chambre là statue en matière d'instruction ou en matière de fond. Mais je rigolais, moi je n'ai rien compris. Que non, s'il existe, s'il statue en matière d'instruction, c'est différent de lorsqu'il statue en matière de fond, quand même. Mais vous dites de requalifier là-bas, en instruction. Ils disent non, on ne peut pas requalifier. Mais on va vous dire, si vous non requalifiez, quand vous allez arriver là-bas, quelle va être la conséquence? Ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Mais je vais revenir sur la question du principe de la légalité, des délits et des peines. Monsieur le Président, ce principe, il est valable partout. Il est valable dans n'importe quelle juridiction répressive, même devant la Cour pénale internationale. Les crimes contre l'humanité et les responsabilités de commandement et de chef hiérarchique sont des infractions qui ont été intégrées dans notre code pénal en 2016. Monsieur le Président, honorable assesseur, on est quand même tous d'accord que le code pénal de 1998 ne prévoyait pas ces infractions. Le ministère public, le grand frère Al-Ghassimou, a fait un rappel historique de trois jurisprudences. Mais il ne vous a pas aidé. Il devait vous aider, Monsieur le Président, aller plus loin. Il a dit qu'il y a un arrêt qui a été rendu par la Cour suprême des États-Unis, l'arrêt Yamashika. Il a parlé du cas de Hissène Nabré et de deux autres arrêts rendus par la France, par les juridictions françaises. Pour vous dire que ce qu'on est en train de faire ici n'est pas inédit. Ça s'est fait ailleurs. La question n'est pas que ça s'est fait ailleurs. Mais dans quelles conditions ça s'est fait ailleurs? Dans quelles conditions? Maintenant, lorsqu'il dit que dans l'arrêt Yamashika, Monsieur le Président, honorable assesseur, la Cour suprême des États-Unis a rendu cette décision. Est-ce que c'est en application du statut de Rome? Est-ce que c'est en application du statut de Rome? Parce que le procureur veut justifier l'application, la possibilité pour votre juridiction d'appliquer le statut de Rome dans le présent contentieux. C'est tout, hein? C'est pour ça qu'il a fait ça. Mais sauf que il a péché un peu, parce qu'il aurait dû aller un peu plus loin. Mais les États-Unis, ils ont leur loi à eux là-bas. On n'est pas dans le même système. Après, il est allé plus loin pour dire que la France, où notre pays a hérité son système judiciaire, a fait la même chose. Mais est-ce que c'est en application du statut de Rome? Est-ce que c'est en application d'un traité international? Non. Non, Monsieur le Président. À l'heure où je vous parle, à cause du mandat d'arrêt qui a été lancé contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à cause de ça, mais cette cour-là, elle est menacée aujourd'hui. Au Congrès américain, ils ont voté là-bas. Il y a même une sanction qui est, si c'est entériné, contre les juges de cette juridiction qui fait appel aujourd'hui aux Nations Unies. Quand même. Puisons dans nos textes. Bon, il n'a pas peur. Cet exercice-là, moi, je suis resté sous ma faim. Et puis, on a fait cas également du procès Hissène Nabré. Mais dans quelles conditions? Il a été jugé au Sénégal. Et c'est souvent la loi sénégalaise.
Il a fallu une convention entre le Sénégal et la Belgique pour instituer un tribunal à cet effet pour le juger. Donc, le crime contre l'humanité, c'est une infraction qui n'était pas intégrée dans notre corpus législatif au moment des faits. C'est pourquoi, Monsieur le Président, puisque le processus d'internalisation n'était pas achevé, on parlait, Monsieur le Président, en ce moment, d'une incrimination inachevée. Incrimination inachevée. Quel est l'intérêt de l'intégration des crimes contre l'humanité dans le Code pénal de 2016? Quel est l'intérêt? Si on peut faire simplement application du statut de Rome, mais on n'en a pas besoin. Il y a eu tellement de démonstrations juridiques, les conventions légalement ratifiées, hein, on force l'exécutant sur le territoire. Vous avez fait de belles théories. De belles théories de droit. Théorie moniste, théorie dualiste. Sans dire à quelle théorie la Guinée est rattachée. Mais moi, je vous dirai pourquoi. Comment on détermine tout à l'heure cette théorie-là? Mais jamais. Le législateur, quand même, a décidé d'internaliser. Pourquoi? Même si le président va vous dire, honorable assesseur, la Cour pénale internationale, le statut de Rome, a été institué pour donner une compétence universelle à la Cour. Maître Bérété l'a brillamment expliqué la dernière fois. Est-ce que c'est comme ça, la façon dont on est en train de faire là? Et si c'est comme ça, on juge des crimes contre l'humanité? Est-ce que c'est la même procédure? C'est différent, c'est pas comme ça qu'on juge des crimes contre l'humanité. C'est pas comme ça. On veut vous dire d'appliquer le statut de Rome dans deux cas, c'est-à-dire la prévision de l'infraction, mais les peines. Même quand vous lisez l'article 77 du statut de Rome, vous remarquerez que ces peines-là, c'est pour la Cour. Que la Cour peut faire application des peines ci après. Et puis on dit aux États, il est loisible aux États de prévoir des thèmes, des peines. Ça veut dire que ce soit la France, que ce soit tous les pays modernes aujourd'hui, d'autres qui ne reconnaissent pas même la compétence de la Cour, ont essayé d'insérer dans leur arsenal législatif pour pouvoir faire application à leurs citoyens. Monsieur le Président, honorable assesseur, ce qui me permet de revenir sur la question des théories qui ont été développées. C'est vrai, on enseigne aux étudiants que la doctrine est source du droit, mais c'est contesté parce que c'est une source indirecte du droit. Mais il faut qu'on dise, quand ils disent que la Guinée appartient à ceux qui prônent la théorie moniste, pour dire que lorsque le traité est ratifié, il doit être appliqué sur le territoire national. Je vais vous lire, Monsieur le Président, honorable assesseur, les dispositions de l'article 10 du traité de l'OADA. Monsieur le Président, l'article 10 du traité dit ceci par rapport aux actes uniformes de l'OADA. Je rappelle que les actes uniformes sont des dérivés du traité. Dit ceci, les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieur ou postérieur. C'est le traité lui-même qui règle la question comme ça. Est-ce que certaines dispositions similaires existent dans le statut de Rome? Non, Monsieur le Président, honorable assesseur. Vous prenez également, Monsieur le Président, honorable assesseur, l'article 19 du protocole additionnel de la CEDEAO relatif à la Cour de justice de la CEDEAO, par rapport même aux décisions qui sont rendues par la Cour. Il est dit à l'alinéa 2 que les décisions de la Cour sont lues en présence en séance publique et doivent être motivées. Elles sont, sous réserve des dispositions du présent protocole relatives à la révision, immédiatement exécutoires et ne sont pas susceptibles d'appel. Voilà
La juridiction qu'est la Cour pénale et la Cour de justice de la CEDEAO aujourd'hui, les décisions prises là-bas sont exécutoires sur le territoire guinéen. Même si l'État refuse de les exécuter en ce qui concerne les docteurs Kassori, les docteurs Gané et également Oye Gilavogui, l'État refuse d'exécuter ces décisions-là. Mais c'est ici qu'on rappelle l'application du statut de Rome, alors même que aucune disposition de ce traité également ne fait cas de cette situation. Monsieur le Président, honorable assesseur, vous considérez que le ministère public, dans ses réquisitions, a estimé qu'il faut faire application du nouveau code pénal en raison du fait que l'assassinat n'était pas prévu, était prévu de peine de mort dans le code pénal de 1998 et que dans le code pénal actuel, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Au même moment, on vous demande d'appliquer à la fois le statut de Rome et le code pénal de 2016. Mais dans toutes les infractions qui sont prévues dans le statut de Rome, il n'y a même pas l'assassinat. Regardez très bien à l'article 7 du statut de Rome. Vous ne verrez pas l'assassinat. C'est le meurtre et autres. Il n'y en a pas. Et parmi toutes les infractions qui sont reprochées à ces gens-là, si vous voulez faire application de la loi dans le temps, il faudrait vérifier pour chaque infraction quelle est la loi qui est favorable aux personnes poursuivies au moment où vous les jugez ou au moment où vous délibérez. Je veux parler de l'application de la loi pénale plus douce. Mais si dans l'assassinat, quelqu'un est poursuivi ici pour ça, si, vous pouvez faire application du code pénal, mais pas par rapport au crime contre l'humanité, parce que le code pénal ne prévoyait pas le crime contre l'humanité en 1998. Comme je l'ai dit, c'était une incrimination inachevée. Il fallait l'achever pour l'intégrer dans le code pénal. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, la requalification sollicitée par le ministère public se heurte au droit de la défense. Mes confrères l'ont rappelé ici à cette audience que si vous requalifiez les faits à ce stade de la procédure, c'est que vous aurez violé les droits de la défense. Pourquoi ? Je vais vous rappeler une série de jurisprudences en la matière. Mais le ministère public, Monsieur le Président, ce que je m'en vais vous dire, lui-même a précisé ça dans ses réquisitions écrites qui ont été versées au dossier. Le ministère public l'a précisé là-bas. Dans quelles conditions vous pouvez requalifier ? Il a dit, je vais vous lire quelques arrêts. Vous avez d'abord l'arrêt Pélissier et Assis contre l'État français qui date du 25 mars 1999. C'est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez ensuite l'arrêt Mattei contre l'État français, toujours la Cour européenne des droits de l'homme qui date du 19 décembre 2006. Voici ce que rappelle la Cour. La Cour rappelle les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l'accusation pesant contre un accusé et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre est une condition essentielle de l'équité de la procédure. La Cour ajoute en précisant ceci, si les juridictions de fond, comme la vôtre d'ailleurs, si les juridictions de fond disposent, lorsqu'un tel droit leur est reconnu en droit interne, de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont régulièrement saisies, elles doivent s'assurer que les accusés ont eu l'opportunité d'exercer leur droit de défense sur ce point d'une manière concrète et effective, en étant informé en temps utile de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à leur charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais de la qualification juridique donnée à ces faits et d'une manière détaillée.
Mais on se rappelle tous ici, le débat de la requalification, quand ça s'est posé ici, à cette audience-là, et que nous avons donné notre avis sur l'opportunité de requalification, parce que c'est ce débat qui a été posé, l'opportunité de requalification. Si le tribunal veut requalifier, le tribunal fait quoi? Le tribunal met en demeure les accusés de s'expliquer sur la qualification envisagée. C'est ça. Mais, Monsieur le Président, la défense a eu raison de faire appel d'une décision joignant cette question au fond, parce que nous considérons que la demande que le ministère public a prononcée n'est pas une exception qu'on va joindre au fond. C'est un incident contentieux qui se règle ici, à l'audience. C'est un incident contentieux. Ce n'est pas une exception de procédure. Mais, d'accord, le juge est souverain. Le juge est souverain. Mais, Monsieur le Président, en joignant la question au fond, cette décision, quoique notre appel n'ait pas été reçu par la Cour d'appel, ce qui est normal, il n'y a pas de problème, mais on s'attendait qu'après cela, que vos juridictions puissent appeler nos clients pour, cette fois-ci, les mettre en demeure de s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée. C'est ça, la procédure. Je n'apprends rien à qui que ce soit. Mais on est parti directement à la confrontation. La confrontation, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a des points de divergence entre les déclarations des différentes parties à l'audience. Ce sont sur ces points qu'on confronte les parties. Et le tribunal, Monsieur le Président, j'ai tellement d'admiration pour vous. Vous avez été très rigoureux dans l'appréciation de ces éléments-là. Très rigoureux. Vous êtes, il y a même des avocats des parties civiles qui ont même été agacés parfois parce que le président a dit non, vous devez uniquement, ce n'est pas un interrogatoire, vous devez uniquement circonscrire vos questions sur les divergences entre les propos des différents accusés ou avec les parties civiles ou témoins. C'est à cet exercice. On s'est plié. Quand ça s'est passé, j'ai dit, ben, quelle belle chose, quelle belle victoire, quel rejet implicite de la demande de requalification. Ah oui, Monsieur le Président, je ne serais pas surpris que vous rejetiez, vous et vos associés, cette question de requalification, parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc, il n'y a pas eu de mise en demeure. Ce procès-là, on est suivi. Le droit-là, il est universel. Il n'y a pas de nouveau droit qu'on applique dans cette audience-là ou à l'occasion de ce procès. Ou bien c'est parce que c'est ce procès que tout va changer. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, et nous sommes d'accord avec vous. Vous avez dit que c'est le même code de procédure pénale qu'on applique dans les autres procès. Ça ne va pas changer ici. Notre code est très pauvre sur la question de requalification. C'est pourquoi on part puiser dans les jurisprudences. Monsieur le Président, faites en sorte que vos décisions puissent être enseignées dans les universités guinéennes. J'en ai marre quand je rappelle souvent les décisions de la Chambre criminelle, de la Cour de cassation française, de la Cour européenne des droits de l'homme, Monsieur le Président, de la CPI. Pourquoi pas nous, ici? Pourquoi pas? Pourquoi nos juges ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des considérations de droit qu'autre chose? Pourquoi? Il nous appartient, nous, acteurs de la justice, de changer notre pays. De par notre façon de faire, Monsieur le Président, honorable assesseur. Il y a aussi l'arrêt le plus récent, Monsieur le Président. Il y a un d'abord qui date du 16 mai 2007, toujours de la Cour, la Chambre criminelle de la Cour de cassation française. Vous avez un autre arrêt contre l'État d'Espagne qui date du 5 mars 2013 de la Cour européenne des droits de l'homme. Tous ces arrêts, c'est sur la requalification des faits. Donc, la jurisprudence est constante et abondante, Monsieur le Président, en la matière. Le principe est donc clair. S'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en demeure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée. Le ministère public, Monsieur le Président, a précisé ça dans ses réquisitions écrites. Lisez-la. Vous verrez que même le ministère public est d'accord avec nous. Vous verrez ça. Alors,
La réquisition même, je vais vous aider, Monsieur le Président. Je vais vous aider. Je vais vous aider. C'est la page, c'est la réquisition qui date du 1er mars 2024, précisément à la page 33, paragraphe 2. Page 33, paragraphe 2. Le ministère public dit l'essentiel est que le prévenu ou l'accusé ait été mis en demeure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. C'est le parquet qui l'a dit, dans ses réquisitions. Je ne parle pas de la partie civile, parce que nous n'avons pas la même vision sur la question. Monsieur le Président, honorable associé, donc tout au long de ce procès, notamment à l'occasion de l'interrogatoire des accusés, ils n'ont jamais été mis en demeure de s'expliquer sur la ou de se défendre sur la qualification de crime contre l'humanité ou de responsabilité de commandement. En d'autres termes, aucune question venant d'une partie au procès n'a été autorisée dans ce sens-là. Et je rappelle bien, c'est le commandant Toumba qui passait à l'audience, quand la question, une fois, a été posée, le tribunal, il y a eu réaction de ses conseils, le tribunal a dit non, il faut rester dans le cadre de l'ordre de la voie. Les vidéos existent. Vous avez exigé ça. Donc les débats ont été circonscrits sur ça. Monsieur le Président, honorable assesseur, ce n'est donc qu'à la suite des réquisitions présentées par le ministère public que le problème a été posé, et seuls les conseils ont donné leur avis sur l'opportunité de la réqualification. Il aurait fallu que le tribunal, Monsieur le Président, que les accusés eux-mêmes soient interrogés par le tribunal, le ministère public et les conseils de la partie civile sur les éléments constitutifs des infractions de crimes contre l'humanité, de responsabilité de commandement. Autrement encore, notre client n'a jamais été en situation de se défendre sur ces infractions-là. Le capitaine est là. Jamais. Jamais. À supposer que le tribunal décide de réqualifier, ce qui est inenvisageable en l'espèce, Monsieur le Président, le capitaine n'a pas été mis en position de se défendre sur ces éléments constitutifs des nouvelles qualifications réclamées par le ministère public et soutenues par la partie civile. Monsieur le Président, honorable assesseur, je vais vous rappeler deux choses par rapport même aux conditions de la réqualification. Et sur ce point, je vais rappeler une jurisprudence également, qui est récente, sur les conditions d'une réqualification. Vous verrez que ce n'est pas possible. Ça dit, ce n'est pas possible non seulement par rapport aux accusés présents, mais je me demande comment vous allez réqualifier à l'égard de Claude Bugy, qui n'est pas présent. Et sur la question, Monsieur le Président, il y a eu, Monsieur le Président, des arrêts qui ont été rendus sur ces questions-là. Je vais vous lire ceci. Il est de jurisprudence, Monsieur le Président, que si le tribunal estime devoir requalifier les faits dont il est saisi, c'est à la double condition que les faits, que les différentes parties au procès puissent contradictoirement débattre la question et que les éléments constitutifs de la nouvelle qualification envisagée ne soient pas matériellement différents de ceux de la précédente qualification. Dans ce dernier cas, le tribunal devrait recueillir l'accord exprès du prévenu ou l'accusé pour être jugé sur ces nouveaux faits. Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2019. Monsieur le Président, mais je vais m'inscrire dans la logique de mon grand frère, procureur Sidiki, qui a brillamment, mais éloquemment, développé les éléments constitutifs du crime contre l'humanité. Et il dit, les éléments constitutifs, il y a l'élément légal qui est déjà prévu par le texte, l'élément matériel, il a cité les infractions qui sont prévues par l'article 28, l'article 7 du statut de Rome, et l'article 194 du code pénal. Après, il a dit l'intention. Mais je viens de vous lire une jurisprudence, Monsieur le Président, pour dire que la nouvelle qualification envisagée ne doit pas être matériellement différente de la précédente infraction dont la réqualification est demandée. Mais le meurtre qui fait partie des infractions qui sont prévues par le statut de Rome, le meurtre. Mais le meurtre pris seul, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Mais non! Et quand vous prenez l'alinéa 2 de l'article 194 du code pénal, puisque c'est de ça dont il parle, Monsieur le Président, honorable assesseur, le législateur va plus loin pour dire
Il a cité non seulement ces infractions, meurtre, les viols, ainsi de suite, mais il dit que lorsque ces infractions sont commises dans le cadre d'un plan commun ou d'une politique d'un État ou d'une organisation, et dans le cadre d'une attaque générale et systématique, ce qui veut dire que la généralité et la systématicité de l'attaque et le cadre, le plan commun dont il est question, sont tous, Monsieur le Président, des éléments constitutifs du crime contre l'humanité. Mais vous jugez votre juridiction, Monsieur le Président, des infractions de meurtre, d'assassinat tous les jours ici. Mais pourquoi vous ne qualifiez pas ces choses-là de crimes contre l'humanité? Parce que ces infractions prises de façon isolée, okay, ne suffisent pas pour parler de crimes contre l'humanité. Il faut parler d'attaques généralisées, systématiques, et faites dans le cadre d'un plan commun et d'une politique d'un État ou d'une organisation. Donc si on part du principe que l'infraction dont la qualification nouvelle qui est envisagée, les éléments matériels doivent être les mêmes selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, il faut partir du principe que, effectivement, que le meurtre et l'assassinat ont les mêmes éléments constitutifs que le crime contre l'humanité. Parce que le meurtre pris seul n'est pas un crime contre l'humanité. Mais il faut qu'il soit commis dans le cadre d'une attaque. Donc, il aurait fallu au ministère public, Monsieur le Président, de prouver que le président Dadis avait un plan commun. Que le président Dadis, que l'organisation CNDD était une organisation criminelle. Ou que la politique de l'État guinéen d'alors était de massacrer. C'est ce que dit l'article 194 du Code pénal. Et c'est ce que dit, Monsieur le Président, l'article 7 du statut de Rome. C'est ce qui est prévu. Dadis n'a pas agi, Dadis n'a pas pris de sanctions et autres là. Mes confrères vont venir là-dessus. Ils ont suffisamment d'éléments pour démontrer ces faits-là. Donc, Monsieur le Président, honorable assesseur, la Cour va plus loin pour dire, dans un arrêt en date du 5 janvier 2005, que le tribunal ne saurait alors requalifier les faits en l'absence du prévenu, notamment lorsqu'il statue par défaut. Pourquoi ? La Cour tire la conséquence du fait que l'obligation sur le tribunal de mettre l'accusé en demeure, de s'expliquer sur la qualification envisagée. La Cour tire les conséquences de cela pour dire, mais il faut que vous le mettez en demeure, et d'ailleurs, s'il n'est pas présent, vous ne pouvez pas le faire. Mieux, Monsieur le Président, la Cour dit dans un autre arrêt que le tribunal il doit rendre une décision renvoyant l'affaire à une date ultérieure et invitant le prévenu à venir s'expliquer sur la nouvelle qualification. L'opinion le sait, tout le monde nous suit. Quel est l'accusé qui a été appelé ici? Donc ça veut dire que s'il y a une obligation de requalifier les faits, il y a une obligation à laquelle le tribunal est tenu, c'est celle de mettre les accusés en demeure. Le tribunal ne l'ayant pas fait, il doit respecter les droits de la défense. Vous ne pouvez pas juger le capitaine Dadis pour crime contre l'humanité alors qu'il n'a pas été interrogé sur ça. Il ne sait pas expliquer sur ça. Ce n'est pas possible. Monsieur le Président, l'arrêt que je viens de dire là, date du 22 février 2017, la Cour va plus loin, Monsieur le Président, pour dire... C'est pourquoi j'ai dit que les arguments de la défense ont évolué sur sa question. On a évolué, nous. Ce n'est plus l'autorité de la chose jugée autre. C'est des choses qui ont déjà été débattues. Nous, on dit de nouvelles choses depuis le début de ce procès-là. Il dit qu'il ne peut requalifier, en l'absence du prévenu, que si ce dernier est valablement représenté par son avocat, que la prévention demeure et qu'il soit contradictoirement débattu. Ça veut dire quoi? Vous savez, eux, ils ont évolué, Monsieur le Président. Ce qui est prévu dans notre texte, ici, pour dire que l'avocat ne peut qu'assister son client, il ne peut pas le représenter. Mais les juridictions, les États, il y a des États africains qui ont été condamnés par les juridictions internationales pour ça. Vous avoir privé un citoyen
d'être représentés par son avocat, quoi que ce soit en matière pénale. Ce n'est pas conforme au droit à un procès équitable. Ils ont évolué, Monsieur le Président. Ça veut dire, Monsieur le Président, que sur la base de ces questions-là, nous vous prions de bien vouloir rejeter cette demande de qualification du ministère public. Si le ministère public, Monsieur le Président, vous donne des arguments juridiques, contraires à ce qu'on dit, puisque c'est un débat de droit, moi j'aime bien ça, j'aime bien que le débat soit circonscrit en droit. C'est pourquoi j'appelle toujours au juge, rendez vos décisions en conformité avec la loi. Il est source de droit, c'est la seule chose. Donc, on vous dit, le ministère public, on vous dit de réqualifier. Après ça, il vous dit, bon, comme le président Dadis n'a rien fait, il n'a rien fait. Mais quand le massacre est intervenu, d'abord avant l'événement, parce qu'on dit qu'il n'a rien fait pour empêcher les crimes. Mais comment le président Dadis va savoir qu'il va y avoir un crime au stade? Mais c'est une manifestation. C'est une manifestation, Monsieur le Président. L'État, comme je l'ai dit au départ de mes propos, l'État républicain a pris des mesures de police administrative. Vous savez, ces derniers temps,